scène de ménage, cette incroyable surprise pour Grégoire Bonnet sur le plateau du Prime. L'émission phare de la chaîne M6, scène de ménage, ne cesse de faire de nouveaux adeptes. Récemment, le Prime a été diffusé avec de nombreuses surprises, notamment pour Grégoire Bonnet. Les téléspectateurs connaissent tout la série scène de ménage qui se déroule actuellement sur la chaîne M6. Dans cette série, de nombreux acteurs se sont fait connaître. Jouant à la fois des rôles de couple, ils se livrent à des scènes de complicité, mais aussi des galères et des embrouilles. Récemment, lors du Prime, une incroyable surprise a attendu l'acteur Grégoire Bonnet. Scène de ménage, une série à succès pour M6. Les programmes télévisés ne cessent de plaire aux différents téléspectateurs. Que cela soit grâce aux séries, films ou émissions de divertissement, il existe une large diversité de programmes télévisés. Sur la chaîne M6, il existe également plusieurs programmes qui plaisent aux téléspectateurs. Que cela soit simplement des séries, ou encore de simples reportages, les téléspectateurs y trouvent leur compte. C'est ainsi que la chaîne a trouvé le programme idéal pour satisfaire son public. Un feuilleton qui passe après le journal télévisé et qui ne cesse de recueillir des millions de téléspectateurs. Ce dernier n'est autre que scène de ménage. Ce programme permet de suivre le quotidien de plusieurs couples, qui se livrent à différentes scènes de joie, de tristesse et de colère. Des situations parfois familières pour les téléspectateurs qui peuvent se revoir dans certaines scènes. Tout ceci est apporté avec un humour bien spécifique, ce qui permet à chacun de rigoler devant ce programme. Récemment, il y avait le Prime de l'émission. Et une énorme surprise attendait l'un des acteurs sur le plateau de l'émission. L'énorme surprise adressée à Grégoire Bonnet. Pour comprendre cette surprise, il faut savoir que ce lundi 6 décembre, le Prime de l'émission avait lieu. Dans ce dernier, les différents personnages se rendent à différents endroits pour pouvoir effectuer une nouvelle scène. Ainsi, l'interprète de Camille et de Philippe se sont rendus dans le château de la grande-tante de Philippe pour participer à des cousinades. Bien que Camille ne comprend pas ce concept, Philippe décide de faire en sorte de bien être placé sur l'héritage de la grande-tante. Une situation rocambolesque qui est à l'image de ce que veut représenter la série. Des scènes parfois familières, qui peuvent également plaire à d'autres téléspectateurs. Mais il faut savoir que lors du tournage de cette scène de ménage, Grégoire Bonnet a rencontré un vieil ami. En effet, on peut le voir tout faire pour que ce dernier soit bien placé sur l'héritage. Alors qu'il se fait doubler dans sa course par une autre personne. Ce personnage est interprété par Éric Berger, qui n'est autre qu'un vieux camarade de classe de Grégoire Bonnet. On était au cours Florent ensemble avec Éric, commence le comédien avec enthousiasme. Il m'avait mis en scène dans une pièce de Gogol, il y a déjà 30 ans. Même si on s'est éloigné, quand on s'est revu c'était comme si c'était hier. À la cantine, on parlait comme des vieux cons qui se rappelaient leurs bons souvenirs, se souvient l'acteur de scène de ménage. Il a également continué en précisant que les souvenirs dont il faisait écho, se déroulaient lors de moments précis. Notamment ceux passés au cours Florent qui sont pratiquement les plus belles années, celles du début quand on apprend le métier.
Une retrouvaille qui a permis à l'acteur de se remémorer de nombreux souvenirs et d'apprécier encore plus ce moment de tournage. Il est clair que la complicité entre les deux individus ne s'en est pas allée et que lorsqu'ils se revoient, cela est comme au premier jour. Un tournage spécial pour scène de ménage. Il arrive parfois que différents scénarios ne se passent pas comme prévu. Notamment dans le monde du tournage qui doit prendre en compte plusieurs éléments importants. Pour la série Scène de ménage, il faut savoir que tous les plans sont tournés d'une seule traite. Ainsi, dès qu'il y a une erreur, il faut tout recommencer. Ainsi, la production s'est laissée page blanche pour le tournage d'une séquence. Cette dernière met en scène Camille qui rencontre la cousine de Philippe, Églantine. Cependant, elle pense que c'est Philippe qui est déguisé, et lorsqu'elle le dit, la cousine s'en va, énervée. Ainsi, au moment où la cousine sort, Philippe rentre et Camille comprend son erreur. Mais il faut savoir que c'était bien Grégoire Bonnet qui incarnait la cousine de son personnage.